Si on se fait fructifier soi-même et qu'on se multiplie dans nos propres talents, on ne peut le faire qu'en offrant à la multitude. Si on dévoie cette chose-là, parce qu'elle n'est pas prise en charge de manière sociétale, c'est-à-dire en principe, la productivité industrielle devrait être mise à profit par les gens dont le seul moyen d'améliorer la vie de tout le monde est très supérieur à la vie de productivité industrielle, ce sont les artistes. Lorsqu'on a cassé le système qui fait que l'artisanat créatif devait accompagner la productivité industrielle, on a rendu énormément de gens malheureux. Ils produisaient beaucoup, mais les produits qu'ils en recevaient n'avaient pas cette vie qu'a le produit artisanal. Il n'a pas cette unité de style très subtile, etc., etc. C'est la même chose partout. Donc, cette chose, c'est la même chose que je vous enseigne en disant, vous avez des gens qui vous disent l'unité du genre humain, mais en réalité, ils pratiquent autre chose qui s'appelle l'uniformité. Il y a une grave erreur. C'est une erreur de philosophie, ça se retrouve dans la vie de tout le monde. Certains font l'erreur, elles prennent l'extension parce qu'il y a une incompréhension et le résultat c'est n'importe quoi. Et on en souffre beaucoup.